Tu veux aller où? Je sais pas, il y a le choix. Singapour. Moi je dis Atlanta. Bon alors là on est arrivé à Paris. On a pris l'avion ce matin à 6h de Nice. Et maintenant on va dans le salon avant de redécoller pour Atlanta avec un vol de 10h. Alors ça c'est vraiment ce que je déteste le plus. La queue pour faire les passeports. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a toujours au moins 20 guichets, mais il n'y en a que 2 qui sont ouverts? Est-ce que tu as une réponse? On va au ski en Louis Vuitton? Qu'est-ce que tu vas manger? Je vais me casser le ventre. Putain, tu travailles aujourd'hui, hein? T'es pas feignante, hein, aujourd'hui. Oh, t'es pas feignante aujourd'hui. Petit produit, écouteurs, petite pochette pour les yeux. Elle est concentrée là, elle cherche des affaires. Ah c'est bon, elle dort déjà. On est bien installé. On y va quand même pour faire une course. Donc là on a 10 heures de vol. Ensuite on atterrit à Atlanta et on reprend un vol pour Tampa. On a choisi de faire tout en avion parce que sinon il fallait louer une voiture et faire 4 heures de voiture de Miami jusqu'à Tampa. Donc au moins là on arrive à Tampa, on a loué une voiture, on a 30 minutes de voiture jusqu'à Tierra Verde, là où on loge. Et comme ça on pourra aussi voir un peu le lieu du triathlon. Et on vous filmera tout ça à notre arrivée. On arrive à 17h30. Donc au final on est parti ce matin, on est décollé à 6h et on arrive à 17h30, mais il y a 6h de moins. Mais bon voilà, au moins on fera une bonne nuit et comme ça vendredi on sera prêt pour faire un peu des trois sports, reprendre quelques marques dans les trois sports et voilà, ça va aller vite. Dimanche c'est la course. Blanquette de saumon et ça c'est l'entrée que j'ai pas encore mangé. Mmh. Oh Philippe est chez Ben. Oh il est beau ton casque. Je mangeais ici. Ah oui, c'est ah ouais, des asperges. Des asperges. Oh. Pas des asperges, c'est haricots. Ah c'est un haricot. C'est pas des asperges. Oh non, j'ai trop dit. C'est
fait une asperge, Clem. Bien. Haricot. Mais non, asperge. Une asperge. Une asperge. Oh là là. Mais tu crois, t'aimes pas le Paris-Brest? Ça se mange, hein. Et ça continue encore et encore. Il a déjà fini. Là, c'est trop beau. On est au-dessus du Groenland. À Atlanta, on a passé 20 minutes à la douane parce que j'ai pas compris pourquoi. La direction, la correspondance pour Tampa. Donc là, on est en Géorgie, à Atlanta, il fait 23 degrés, donc ça va, franchement c'est cool. Et plus on va descendre dans les États-Unis, plus il va faire super chaud, donc trop hâte. Ça sent la frite à plein nez. World to be. C'est tellement long qu'ils nous font l'histoire d'Atlanta. Bon, même l'histoire des États-Unis, je pense. Bah oui, après 3 km de marche dans l'aéroport, faut au moins faire une pause. On a été assis pendant 10 heures. Maintenant, il y a une pause, pause boisson. Pour se délasser les jambes. Ah bah ça délasse, hein. Ils font tous en train, nous, on fait en marchant, en walk. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est bien, Marjane. Allez, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. Incroyable, des œufs. De quoi? De l'eau avec des électrolytes. Ah, 2-2-6 n'a qu'à bien se tenir. Non. Non, quoi. Let's go to Tampa. Première fois qu'on a le siège 1. Dernière étape de notre périple. Tampa. Avec notre ami la tortelle. Bah voilà. Cette tortue ou celle-ci? On est arrivé à Tampa. On va récupérer la voiture. By train. Ici, les aéroports, c'est tout by train. It's our train, ok? Not yours. Mine. Ok, c'est parti. Non, ton accent, oh là là! Même pas fatiguée, alors que j'ai même pas dormi. Ce qui est bizarre, c'est que un conducteur, il est devant, quoi. Vas-y, on va mettre 10 ans, tu vas voir. Là, tu t'écrases toute la vitesse. Ouais. Here we go. Rent a car in dollar. Alors, j'aimerais bien celle-là. Okay. Oh, something wrong. Better like this. Let's go for the luggage because we don't have the luggage. And after to the Dom César Hotel. Are you ready? I don't think so. Oh yes. You have to do nothing. Automatic car. Nous voilà enfin arrivés
Après avoir pris une amende parce qu'on n'avait pas de dollars au péage. Oh, finally. Finally. Finally here. Go, registration. Quand tu veux, hein, pour aller. En face. Bah oui, en face, Léman. Registration. Non, mais je sais pas, putain, tu peux m'indiquer. J'habite pas ici. Hein. Enfin arrivé. Oh là 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 là, le paradis. Voici notre hôtel en Floride. On est à Saint-Pétersbourg Beach. Ça fait vraiment vraiment Floride, hein. Comme dans les films et les clichés. L'hôtel est super beau, tout rose. Pour une petite princesse et un petit prince. Go to the swimming pool. Et voilà, nos premiers entraînements en Floride commencent. On a fait un footing ce matin. Là, on part nager. J'en suis à ma 15e gourde d'eau. Le petit-déj était hyper salé. En même temps, vu tout ce que j'ai mangé. Mais bon, voilà. En tous les cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette petite vidéo qui aura retracé notre voyage et notre arrivée en Floride. Bisous!